Aujourd'hui, nous allons voir comment bloquer ou débloquer quelqu'un sur Facebook. Pour commencer, on va lancer l'application. Ensuite, on va se rendre dans le menu hamburger et l'on va sur notre profil. Sur celui-ci, on descend un petit peu plus bas jusqu'à la rubrique Amis. Dans cette liste, on sélectionne la personne en question. Et à partir des trois points ici, on va nous proposer la fonction bloquer. On nous indique alors que ce contact ne fera plus partie de notre liste d'amis. Ainsi, il ne pourra plus avoir accès à de nombreuses fonctionnalités nous concernant comme l'identification ou l'accès à notre profil et à nos publications privées, ce qui est différent du déblocage sur Messenger, puisque sur la messagerie, cette option l'empêche seulement de communiquer avec nous, temporairement si on le souhaite, sans avoir de conséquences par la suite sur Facebook, comme être retiré de cette liste d'amis. Si on décide néanmoins de le bloquer sur Facebook en confirmant cette option, celui-ci est placé directement dans une liste d'utilisateurs bloqués. On peut la retrouver à partir du menu hamburger. En descendant tout en bas, on sélectionne Paramètres et vie privée, puis Paramètres. Ensuite, on descend jusqu'à la rubrique Confidentialité, où l'on nous propose la section Blocage. C'est à partir de cette liste que l'on peut débloquer la personne. Dans ce cas, elle pourra de nouveau communiquer avec nous et avoir accès à certaines de nos informations selon nos paramètres. Attention, comme indiqué, on ne pourra pas la bloquer de nouveau avant un délai de 48 heures. Pour terminer, une fois débloqué, évidemment, nous sommes tous les deux dans l'obligation de nous ajouter à notre liste d'amis. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo, merci infiniment.